Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me faire un co-wash et je vous invite dans ma salle de bain pour le faire avec moi. En fait, il est déjà très tard, il est aux environs de 9h le soir, mais je dois vraiment me laver les cheveux, en fait, me faire un co-wash parce que j'en ai vraiment besoin. Mon cuir chevelu me le dit. Donc vous aurez besoin de deux produits, un après-shampoing et un masque rapide. Également des outils pour vous démêler les cheveux. Évidemment, c'est au choix, vous pouvez le faire avec vos doigts. Et finalement, des clips, des élastiques pour vous séparer les cheveux pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc on commence par se mouiller les cheveux, bien les mouiller, laisser pénétrer l'eau sur toute la longueur, sur le cuir chevelu, masser, que ça rentre bien. Puis après, on va prendre notre après-shampoing pour commencer le co-wash. Donc le co-wash, c'est tout simplement se laver les cheveux avec un après-shampoing. Donc ceci étant dit, il vous en faut beaucoup. C'est pour ça que moi, j'achète toujours le plus grand format que je peux trouver. Et je l'ai trouvé à Walmart, je crois, à 10$. C'est environ, c'est plus d'un litre de produit, je ne me rappelle pas trop bien. Donc du coup, j'en mets beaucoup, un peu partout, en avant, sur les côtés, en arrière. Il faut vraiment en mettre, hein? Là, je commence à masser les cheveux, je vais continuer à les mouiller un petit peu et à ajouter mon après-shampoing partout, à masser et à bien répartir le produit. Ok, maintenant que j'en ai mis vraiment assez, je vais commencer à me masser surtout le cuir chevelu et également toute la longueur. Mais vraiment surtout sur le périmètre où j'ai mis un peu de gel pour les coiffures que j'avais faites durant la semaine. Donc il faut vraiment bien masser et en plus ça fait du bien, hein, si vous voyez mon visage. Vous pouvez déjà l'imaginer, ça fait vraiment du bien et je vais dormir beaucoup mieux parce que ça me relaxe, ça détend, c'est vraiment bien. Je me lave les cheveux avec de l'eau tiède et finalement je rince avec un peu d'eau, on va dire plus fraîche si vous voulez. J'enlève l'excès de produit parce que là je vais me rincer les cheveux, c'est la première partie. Je rince bien pour enlever et nettoyer mes cheveux. Mes cheveux sont tellement souples et l'après-shampoing que j'utilise, c'est de la marque Herbal Essence. Ça sent vraiment très, très bon. Voilà, là, c'est la deuxième partie. Je commence par séparer mes cheveux. Je vais faire, je pense, 6 tresses en total sur toute ma tête. Donc, je vais tout d'abord mettre encore un petit peu de l'après-shampoing pour commencer à démêler mes cheveux avec un peigne à dents larges. Ensuite, je vais appliquer le masque. Je pense que je dois le laisser 3 minutes, mais moi, je vais le laisser environ 10 minutes, le temps que je termine sous la douche. Donc, d'abord l'après-shampoing, je démêle avec un peigne. Ensuite, je mets le masque. Voilà. Et finalement, après avoir mis le masque, je vais démêler mes cheveux un peu plus et je fais une tresse et laisser reposer. Voilà.
Mais à ce stade, mes cheveux sont tellement souples que je pourrais continuer à démêler au doigt. Mais comme je vous ai dit, je veux terminer le plus vite que possible parce que je suis fatiguée, il est déjà tard. Donc, je prends ma brosse d'énamel que j'ai tout le temps avec moi, je l'adore, pour démêler mes cheveux un peu plus. Et là, je me fais une tresse. Il faut dire que les tresses que je vais faire, les 6 tresses que je vais faire, je vais les garder jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au lendemain, parce que je vais terminer de me laver les cheveux. Je vais mettre un sac en plastique sur ma tête que je vais laisser reposer pendant 10 minutes pour terminer. Puis après, je vais rincer mes cheveux et avec les tresses, il faut dire, et je vais dormir comme ça, on va dire. Oh, je vais dormir avec les tresses sur la tête et le lendemain, je vais les enlever pour vraiment bien hydrater mes cheveux. Mais je vous montre tout ça à l'instant. Mais bon, à ce stade, j'ai plus de batterie. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est terminer l'autre côté de ma tête, puis mettre mon sac en plastique, laisser pendant 10 minutes. Et après, j'ai rincé mes cheveux avec les 6 tresses et je suis allée me coucher. Maintenant, on est le lendemain. Je vais prendre le temps de vraiment bien hydrater mes cheveux avec encore 2 produits. C'est comme une crème hydratante et de l'huile. Donc d'abord j'applique ma crème, des pointes à la racine, je fais bien pénétrer comme d'habitude, j'en mets un petit peu partout, également sur le périmètre de ma tête, voilà, sur les pointes aussi très important. Et là j'applique de l'huile, des pointes à la racine.
Voilà. Et je démêle un tout petit peu parce que là, mes cheveux sont déjà vraiment bien, bien, bien démêlés. C'est juste pour étirer les cheveux au maximum que j'essaie de démêler un petit peu. Voilà, je replace pour terminer toute ma tête. Je répète l'opération et voilà. En fin de compte, j'ai décidé de me faire un twist out qui était vraiment super joli. Je vous montre une photo. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et on se revoit donc dans une prochaine vidéo. Bisous!